Tata, tu vas où? Et Tata, elle va chercher ses abdos. D'accord? Tu veux venir avec moi? Non, je veux pas venir avec toi. Tu es à genoux en face du balcon pour avoir une lumière parce que franchement il y en a marre, je crois que c'est ma caméra qui va pas. Je sais pas si ça se voit mais je suis au bout de ma vie. Et là je vais m'entraîner. Je vais faire du sport dans cet état. C'était ma bonne chance. Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je ne suis pas coiffée mais bon, vous comprenez que j'ai des raisons. Donc là je vous prends avec moi. Comme promis, je vais vous montrer ce que je fais au sport avec mes copines. Vous savez que depuis un petit moment je m'entraîne, on essaie de faire ça tous les deux jours, mais c'est pas vraiment tous les deux jours en ce moment, on va pas mentir. Mais en général c'est tous les deux jours, on s'entraîne dans un parc entre copines. Et je vais vous montrer ce qu'on fait, voilà, c'est ce qui a à peu près porté les fruits de mon corps, dont tout le monde aime tant me féliciter. Donc voilà, j'y vais maintenant, je laisse mon fils et puis j'y vais. Va falloir que je trouve une solution pour cette caméra parce que je sais pas, il y a un problème de lumière, ça fait trois vlogs. J'ai un problème avec cette lumière. Avant que j'oublie, donc là je porte une tenue façon sport de Fashion Nova. On adore. Il fait un temps parfait pour aller s'entraîner dans un parc, c'est génial. C'est génial. Bon les gars, alors il y a la première sportif Summer 2020. Je vais présenter le reste de la team quand tout le monde arrivera. Je sais pas si du coup la lumière elle va être bien, j'espère. En tout cas, il y a Vavi qui vient d'arriver, qui se fait attaquer par les guêpes. Et donc nous, on s'entraîne toujours dans ce préau. Voilà, on s'entraîne dans ce préau. Et on est plusieurs. Donc normalement, on est combien d'habitude à peu près? On est à peu près 5, 6, 7, ça dépend. On est à peu près 5, 6, 7, ça dépend. Sauf qu'aujourd'hui, on sera que les 3. Parce que voilà, il y a des mamans, il y a des jeunes filles. Il y a des fêtards, on a moi, la vlogueuse, et on a la coach, et on a l'habituée, parce qu'elle, elle s'entraîne depuis bien plus tôt que moi, donc ça fait un bon exemple. On va faire 2 minutes à fond non-stop et après pendant 5 minutes, après chaque minute, on va faire 10 jump squats. Donc ça veut dire 1 minute 10 jump squats, 1 minute 10 jump squats, ainsi de suite. Ready? Go! Yes. Là, on va faire 6 exercices, donc ça va être 30 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Donc sur ces 6 exercices, on a fente alternée, on a engainage de côté, donc là comme ça, là. Vous le verrez, hein, mais hop, hop, hop. On a hop celui-là où on va chercher l'intérieur des chevilles. Au sol, on va aller toucher nos pieds, donc ça va être abdos, ça va être très ciblé abdos aujourd'hui. Hein. Jump squat
et bien sûr le meilleur, les burpees. L'état de Liliane définit bien notre état actuel après 4 rounds. Je pense qu'il y a eu un peu une petite relâche quand même. Mais pour notre défense, l'entraînement qu'elle a préparé aujourd'hui, pour certains exercices, c'est la première fois qu'on les faisait pour notre défense. Tu vois. Si on avait fait la routine habituelle, peut-être, tu vois. C'est ça. Mais ce qui est bien, ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire toujours la même chose. Normalement, en principe, là, on termine par des sessions d'abdos. On fait abdos, on fait gainage, tout ce qui est comme ça, non? Ouais, alors on va. Normalement, généralement, on fait 5 sortes d'abdos différents à 50 voire 100 répètes. Donc voilà. Et ensuite, on fait 2 minutes de gainage normal, après 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Et on est ready. Ouais. Mais là, oh mon dieu, j'ai l'impression de les décevoir. Hey, faut respecter son corps, respecter ses moments. On est des femmes, on a plein de périodes dans le mois aussi qui ne vont pas. N'hésitez pas aussi à vraiment vous écouter. Donc chose que vraiment nous on prône, donc c'est vraiment l'écoute. Ne vous forcez pas pour rien. Enfin, faut choquer son corps, mais pas faire n'importe quoi avec soi-même. Surtout que c'est déjà bien. On est venu, on a fait 4 sessions de ce que vous venez de voir, donc c'est quand même énorme. J'ai l'habitude d'aller au fitness. Quand je m'échauffe, je fais jamais un truc comme ça. Donc. Si Vavi, elle vous promet que dans, allez, 1-2 semaines maximum, on vous refait un vlog sport, cette fois avec l'équipe, on sera à fond la caisse, voilà, voilà. Alors, je profite qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour vous parler. Je viens d'arriver au fitness. Normalement, on avait entraînement avec les filles. Finalement, ça ne s'est pas fait. Du coup, me voilà au fitness. Ça va très bien aussi. On s'est passé un peu le mot sur les exercices qu'on allait faire aujourd'hui. Enfin, l'entraînement qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, ça va, je suis calée. Tranquille. En fait, la dernière fois, on a fait un entraînement tellement catastrophique. Franchement, j'en avais honte. J'ai commencé à faire l'editing de cette vidéo et je me suis dit non, je peux pas m'arrêter là. Et vu qu'on s'entraîne en général tous les deux jours, je me suis dit que j'allais faire une deuxième partie, enfin genre une continuité du vlog aujourd'hui. Je vais commencer avec 20 minutes de cardio, je vais courir. Du coup, c'est parti. Je viens de faire mon cardio et maintenant on va aller faire le circuit. Je récapitule juste, du coup j'ai couru pendant 20 minutes, ensuite j'ai fait des fentes alternées, j'ai fait 10 répétitions de fentes alternées, j'en ai fait 3 séries, juste histoire de parler un peu avec mes cuisses. Je suis toute rouge. Je vais me faire un petit circuit, je pense, de 4 exercices. Je vais commencer avec des burpees. 25 répétitions. J'ai un poids de 10 kg que je vais mettre sur mes épaules et je vais marcher en squat. Avec ça, je vais faire des squats. Avec ce petit banquet-là, je vais travailler les abdos, faire du step.
alterner. Puis je vais faire jump squat. Douchée et ça fait trop du bien. C'est pas toujours facile hein. Là ces derniers jours je vous avouerai que c'est un peu compliqué pour moi le soir, je sais pas pourquoi. L'important c'est d'y aller parce qu'on souvent on est très démotivé avant d'y aller, mais une fois qu'on y est on est très content d'y être. Moi en tout cas c'est toujours comme ça, c'est super dur d'y aller, mais une fois que j'y vais je suis trop contente, je regrette pas du tout. Au niveau de mon poids je sais plus du tout là tout de suite combien je pèse, mais je vais le faire tout, je vais aller me peser tout de suite et je vais vous montrer parce que c'est vraiment mystère et boule de gamme. Je pense que ça doit bien faire un mois que je me suis pas pesée. Purée, la dernière fois je regardais des vlogs de moi enceinte, genre j'avais fait un vlog à mes 9 mois de grossesse, mais my god, personne m'a dit que je ressemblais à ça en fait. Et que sur le moment à mes 9 mois de grossesse je me voyais pas forcément comme ça, c'est que maintenant que j'ai perdu du poids que je regarde et je suis là genre... Je vous avouerai que j'ai pas forcément envie de perdre plus de poids. J'ai juste envie de muscler tout ça, de raffermir tout ça parce qu'il y a tout qui tombe. J'ai toujours de la peau, vous savez, j'ai toujours la peau qui relâche un peu bah, de ma grossesse et tout. Mais voilà. Je masse un peu dessus, mais je vois. Je connais pas trop d'autres techniques. Donc si vous en avez, barre de commentaires là en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Regardez comme on est en train de grandir lentement mais sûrement. Et puis, bah, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bisous!